J'ai terminé. Non, vous levez le stylo sans me le dire. Hein. Vous levez le stylo seulement. Voilà. Allez-y, Anas, tu as terminé. Alors, deuxième mot, un Oui. lit. Je répète. Un lit. Je répète. Un lit. Allez-y, vous travaillez. Troisième mot, une armoire. 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 Et dernier mot, fenêtre. Une fenêtre. Une fenêtre. Allez-y, Anas, tu commences. On corrige le premier mot. Un canard. On écrit UN espace Lé, Anas, y PA N A. a Anas. Anas, je n'ai la consigne, il y a Andy fait l'exercice. Je mets une croix. Tu vas mettre une croix ici. Tu vas mettre une croix si j'entends R. Moi, crois-tu que tu écris le mot? C'est pas une dictée, Rahim. Canard, on met une croix. On dit j'entends le son R. Répète la phrase. On J'entends. trouve le son. J'entends Dans le mot le son canard, R j'entends dans le son canard. R. Répète. Dans le mot canard, j'entends le son R. Voilà, comme ça on répond. Yasmine, deuxième mot. D'accord. Un lit. Dans le mot lit, j'entends pas le son R. Je Donc, n'entends pas. je n'entends pas le son Très bien, Yose. R. Armoire. J'entends le son R. Très bien, donc je mets une Oui. croix. Je mets une croix. Mot suivant, Anas. Fenêtre, j'entends le son R. Hein? Je mets une. Trois. Très bien. Deuxième exercice. Donc, je lis et je souligne les mots où je vois R et j'entends R. Allez-y, vous travaillez. J'ai terminé, madame. Qu'est-ce que j'ai dit, Yasmine? Je lève le stylo si je terminais. C'est pas la peine de me le dire. Tu perturbes tes camarades. Alors, si vous avez terminé, vous faites l'exercice 3. Vous écrivez R et le mot rime. Faites l'exercice suivant. Donc, un carreau. Donc, je monte et je descends un carreau
pour la lettre R. Donc, faites l'exercice 3. C'est terminé. Allez-y, on corrige l'exercice de Anas, tu commences. Les grands dans le mort. Les grands-parents en entendent deux airs et il y a deux airs. Et j'entends. Je vois deux airs et j'entends deux airs. Non, et Anas, tu suis la maîtresse, s'il te plaît. Je vois et j'entends le son R. Répète. Je vois et j'entends le son R. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vois et j'entends le son R. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entoure. Est-ce que c'est j'entoure? Je souligne. Le mot grand-parent. Je souligne. Oui. Grand-parent. Vous soulignez grands-parents. Yasmine, mot suivant. D'accord. Bruno, j'entends le son R et je vois le son R. J'entends et je vois le son R. J'entends et je vois le son R dans le mot Bruno. Qu'est-ce que je fais? Je souligne. Très bien, donc je souligne Bruno. Youssef? Grande. Madame, elle est sortie. Anas? Oui, Anas, tu réponds le mot suivant. Dites, je ne vois pas et je n'entends pas le son R. Anas, c'est pas comme ça l'exercice là. Tu vas répondre seulement pour les mots tu vois R. Okay. Aïe, Anas,
Grande, grande. Je Oui. souligne. Je Pourquoi je souligne. souligne? Parce que je vois et j'entends le son R. Voilà. Yes, sir. Oui, maîtresse. Le mot suivant. Au printemps, je vois et j'entends le son R. Avant, Yosser, avant. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot? Oui, Bruno. Avant, ma coach après, Rani. D'accord. Yes, sir. Oui. Au printemps. Non, avant. Ferme. Oui. Ferme. Je vois et j'entends le mot R. Le son. Le son R. Qu'est-ce que je fais? Je souligne le mot. Ferme. Non, ferme. Vous soulignez ferme. Yasmine. Printemps. Printemps. Je vois et j'entends le son R. Je souligne le mot printemps. Très bien. Maîtresse. J'ai une question. Aujourd'hui, on fait à quelle page aujourd'hui? Pourquoi, Anas? On lit. C'est pas le moment. Pour imprimer les pages, parce que j'ai pas tout. Tu imprimes au fur et à mesure. Je travaille, moi. Tu imprimes au fur et à mesure. Alors. Il faut imprimer d'avance, Raoul, les feuilles, Anas. Ah, tu réponds le mot suivant, Anas. Bruno. C'est Bruno. Non, je vois le son R et j'entends le son R. Donc, on ne voit pas le son, là. On ne voit pas le son. Je vois R et j'entends le son R. J'entends le son R et je vois le je son R. Je vois R et j'entends le donc, son je... R. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vois R et j'entends le son R. Donc, je souligne. Voilà. Je souligne. Yes, sir? D'accord. Grand-père. Grands-parents. Grands-parents. Je vois le son R. Et non, je vois R. On ne dit pas je vois le son. J'entends le son. Je vois R. Et j'entends le son R. Je souligne le mot grands-parents. Allez-y, vous corrigez. Alors, vous avez écrit R et le mot rime? Yes. Oui. Montrez-moi votre écriture. Oui. Sur le livre, il y a un as sur le livre. Donc, un carreau, hein. Faites attention. Vous montez un carreau. Oui, d'accord. On passe à l'exercice suivant. Vous m'entendez? En fait, on voulait imprimer les documents pour Anas parce qu'il ne voit pas très bien de l'écran. Vous pouvez nous donner les pages
Madame, je ne sais pas jusqu'à quel imprimé pour aujourd'hui. Vous imprimez toujours les exercices du module. De quel module? Parce que la fois dernière, ils ont module travaillé 10, sur les derniers module modules. 10, donc, on a imprimé de la page 56. Module 10. Module 10? Oui. D'accord, merci. Alors, on termine. Je regarde les dessins et je complète les mots. Allez-y, vous travaillez. Vous avez terminé? Oui. Oui. Alors, premier mot, Yosur. D'accord. Une armoire. Donc, par quoi je vais compléter? Deux R. Donc, R ici. Donc, vous avez la lettre R. Et ici, vous avez la lettre R. Armoire. Deuxième mot, Yasmine. Le métro. Et la lettre F. On complète avec la... Donc, je complète par la lettre R. Métro. Anas. Poire, une poire. Oui. Par quoi je vais compléter? On complète avec le R. La lettre R, très bien. Allez-y, vous tournez la page. Donc, on va passer à quelle lettre maintenant? La lettre O. Très bien. Madame, je peux lire la consigne? Oui. D'accord. Je mets une croix sous le dessin quand j'entends O. Alors, premier mot, un coq. Je répète. Premier mot, un coq. Je répète. Premier mot, un coq. Coq. Deuxième mot, une tomate, une tomate, une tomate. Troisième mot, un mouton, un mouton, un mouton. Et quatrième mot, une pomme, une pomme, une pomme. Allez-y, vous travaillez. On corrige? Oui. Oui. À ce premier mot.
Fuck. Oui. J'entends le son O. Très bien. Donc, je mets une... Encore. Je mets une croix, oui. Croix. Deuxième mot, Yosser. Une automate. Mm-hmm. J'entends le son O. Oui. Je mets une croix. Très bien. Yasmine. Oui, madame. Un mouton. J'entends le son O. Je mets une croix. Est-ce que mouton... Est-ce que j'ai dit mouton, hein? Mouton. Mouton. Est-ce qu'on entend le son O? Non, madame. Donc, faites attention. C'est mou et c'est pas mot. Et c'est mouton. C'est on. C'est pas O. C'est pas moto. C'est mouton. Le mot suivant, Anas. Pomme. J'entends le son O. Très bien. Donc, on met une croix. Très bien. Alors, faites l'exercice 2 et 3 maintenant. Je lis et j'entoure O dans les mots. Après, vous écrivez O et mots. Allez-y, vous travaillez. Exercice 2 et 3. Exercice 3. Maîtresse. Oui. Maîtresse, j'ai terminé. D'accord. On corrige. Moi, Yasmine, j'étais. Alors, on corrige l'exercice de Yasmine, tu commences. Je lis et j'entoure O dans des mots. Mm-hmm. Nadine. Bon. Tu vas donner les mots où je vais entourer. Donne. Donc, j'entoure O. Mm-hmm. Yosef. Oui. Tortue. Oui. J'entoure. Anas. Dans Bruno, j'entoure le O. J'entends O et je lis O. Est-ce qu'ici, on a dit j'entends O? Fais attention, Rudbel. Je vois O. Et j'entoure, Sahid. Oui, je vois seulement.
Je vois O, il y a des mots où je vois O, mais je n'entends pas O, hein. Faites attention. Mot suivant. Yasmine. D'accord. La cour. J'entends O. Je vois O. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot, Yosser, avant? Joue, madame O. Donc ici, je vois O, Raoum, j'entends, Rudoben. J'entends où? Où je vois? J'entoure O dans les mots. Mot suivant, Yosser. Cours. J'entoure O. Vous entourez la lettre O dans les mots. Redouben joue et court, ça se prononce où? O avec U, ça se prononce où? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Madame, j'écris O et O. Alors, montrez-moi votre écriture. Donc, un carreau toujours pour la lettre O. Donc, O et mot. Oui, très bien. Oui. Anas. Je ne vois pas très bien. Tu suis les lignes. Hein? Dis-moi un carreau. Alors, on passe à l'exercice suivant. D'accord. Je regarde les dessins et je complète les mots. Allez-y, vous travaillez. Madame? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez terminé? Non. Madame, je peux boire de l'eau? Bien sûr, oui. Madame? Mm-hmm. Je vais aux toilettes. Vite. Madame, aujourd'hui, on est mardi 4 mai 2021. Très bien. Hein? On corrige? Oui, madame. Ah, et juste le premier mot, c'est quoi? Un vélo. Oui, par quoi je vais compléter? O. Très bien, donc je complète par O. Deuxième mot. Anas. Ordinateur. Un ordinateur.
Yasmine. Un robot. Je complète par deux O. Donc deux O, oui. Allez-y, vous corrigez. Maîtresse. Oui. On peut aussi trouver le son O avec E, A, U ou A, U. Oui. Alors, on passe maintenant à quelle lettre? D. Très bien, c'est la lettre D. Alors, je mets une croix sous le dessin quand j'entends D, donc le son D. Premier mot, moto. 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 يسر أني مانيش نشوف فيك امشي شوية للوحدة. دوزيام مو داندون. 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 ثالثيام مو فنتر. فنتر. وكاتريام مو radio, radio, radio. Allez-y, je corrige. Anas, premier mot. Premier mot, non. Show un nom, tu n'y le mot, c'est un, je vais dire. Non. Moto, moto. Et j'entends pas le son des. Je n'entends pas, je n'entends pas. Je n'entends pas le son des. Très bien. Deuxième mot, Yasmine. Un dindon. J'entends le son des. Ouais. Je mets une croix. Très bien. Yasser. Sous le mot dindon. Yasser. Fenêtre. Je ne pas j'entends. Je n'entends pas. Je n'entends pas le mot des. Le son. Le son des. Très bien. Anas. Le mot radio. J'entends le son des. Donc, je coche. Oui, je mets une croix. Alors maintenant, vous allez faire exercice 2 et 3. Allez-y.
Maîtresse. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ryan. Bonjour. Cahier d'activité. Tu prends le cahier d'activité. La page 51. 51. Cahier d'activité. Page 51. Alors, on corrige les enfants ? Oui, madame. Allez, tu commences, Yasmine. D'accord. Je lis et j'entoure des dans les mots. Nadine, des. Mm-hmm. J'entoure. J'entoure la lettre D. D. Anas ? D'or. J'entends le son. Redbelek, redbelek. Ya Anas, bleh akhra la consigne. Hna qulna j'entends, hna je lis et j'entoure. Et j'entoure des dans les mots. Donc je vois des j'entoure. Hmm? Je vois des dans le mot. Le mot des. Dans le mot d'or. Donc, vous entourez des. Yes, sir. Donc, j'entoure des. Yes, sir. À haute voix, on se j'entoure des. Dans quel mot? Dans quel mot? Dans, madame, là, dans. Dans le mot dans, voilà. Dans le mot dans. Rayen, mot suivant. La chambre de. Est-ce que c'est la lettre D dans le mot chambre? Est-ce que c'est la lettre D dans le mot chambre? Non. Oui. Non. C'est la lettre B. Fais attention, Ryan. C'est la lettre B. Et nous, on travaille la lettre D. Non. Hein? Non. Deux. Sahit. Deux. Voilà, donc j'entoure D. Anas. Grand-mère. Hein? Mm-hmm. J'entoure le D parce que je lis des. Je vois, Yahweh dit, je vois des. Yasmine, marche maintenant, Yahi. Oui. Yasmine, le mot suivant. D'accord, madame. Grand-mère. Grand. Yasmine, chaque fois, je te corrige pour la lettre R. Grand-mère. Je vois des. Dans le mot grand, Rebelle, quand? Grand. Yes, sir? Oui. Grand-mère. J'entoure des. Dans mon
grand-mère. يسر هذيك جاوبت عليها ياسمين راه داكور دون جونتو دي فوالا دون ريان دون وي Dans combien de fois nous avons la lettre D dans le mot dindon? Deux. Très bien. Donc vous entourez D dans le mot dindon. Allez-y, vous écrivez D. Donc vous faites un carreau pour le rond de la lettre D et vous montez deux carreaux. Et vous descendez et vous montez un carreau. Après, vous écrivez la syllabe do. La syllabe do. Do. Allez-y. Oui, Yasmine. Yosser. J'ai terminé. Oui, montre-moi ton travail. Très bien. Tu as une belle écriture, Yosser. Yasmine aussi. Anas. Anas, je ne vois pas très bien. Rayen. C'est trop petit, Anas. D, Rayen, D, Michel M. D. Non, l'autre page. Oui. Oui. D'accord. Allez, on fait l'exercice 4. Je regarde les dessins et je complète les mots. Allez-y, vous complétez les mots. Terminé, madame. Très bien. Ah, tu commences, Anas, Rayen, Yarabi. Les dindons. Très bien. Donc, par quoi je vais compléter? Avec des. Très bien. Par combien de fois? Deux. Deux fois, oui. Très bien. Donc, d'un, don. Deuxième mot, Anas. Il dort. On complète avec le dé. Très bien. Yosef. Un domino. Très bien. Donc, je complète par D. Vous avez terminé? Oui. 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 Alors?
On passe à la page suivante. La page 52. Oui, page 52. Donc, vous avez le texte. Mounia, je réponds aux questions, à la question. Texte, livre de lecture. Au livre de lecture, Marco. Le texte, c'est Amélie qui va à la campagne. Page combien, madame? Maîtresse, oui. Oui, Rayen. Attends la page. Rayen. Page, madame. Oui. Dernier texte, Amélie. Oui. Donc, vous lisez le texte et je barre ce qui est faux. Maîtresse. Oui, Anas. Dans le livre de lecture, le page combien? Yasmine, c'est quelle page? Hein? C'est quelle page le texte? Wadi. 76. 77. D'accord. Allez-y, vous travaillez. Yasmine, tu lis le texte. D'accord. À la ferme, c'est le printemps, Amélie. Et à la campagne, c'est le printemps. Mm-hmm. Amélie est à la campagne, chez ses grands-parents. Amélie aime beaucoup la campagne. Elle est chez ses grands-parents. De là. Qui fait je vais grands-parents, Yasmine? Madame, j'ai dit chez ses grands-parents. Ah, chez, hein? Amélie aime beaucoup la campagne et les animaux de la ferme. Les vaches, les poules, les moutons et les lapins. Aujourd'hui, Amélie se lave. Se lève tôt. Elle prend son petit déjeuner. Et elle va ramasser les œufs avec sa grand-mère. Oui. Oui, Ryan, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Julie. Oui, Ryan, tu lis. À la ferme, c'est le printemps, Amélie et... C'est le printemps, oui. C'est le printemps, allez, à la campagne. À la campagne. Rayen, y'a Rayen, je te vois pas, comment je vais te corriger? Y'a Aïchik, okrob li, bch najm nchoufou kifash taqra. C'est le printemps, Amélie, et à la campagne, chez ses grands-parents. Amélie aime beaucoup la campagne et les animaux de la ferme, les vaches, les animaux de la ferme, les vaches, les poules, les moutons et les lapins. Aujourd'hui, Amélie se lève tôt. Elle prend son petit déjeuner et elle va ramasser les œufs avec sa grand-mère. Très bien. Alors, on passe aux questions. Anas, tu lis la question. Oui.
D'accord. Je réponds à la question. Je barre ce qui est fort. Amélie se lève tard. Amélie se lève tôt. Amélie stop. Aime la stop, campagne. Stop, stop, Amélie. Stop. Qu'est-ce que je vais barrer dans les deux premières phrases? Amélie se lève tard. Amélie se lève tôt. Anas. Je barre le Amélie se lève tard. Est-ce que vous êtes d'accord, les autres? Oui? Oui. D'accord. Donc, c'est quelle ligne dans le texte on a la justification? Yasmine. C'est quelle ligne dans le texte? Rayen. Aujourd'hui, Amélie se lève tôt. Très bien. Donc, c'est quelle ligne? Numéro de la ligne. Numéro de la ligne. Donc, en barre, Amélie se lève tard. Tard. Sept, madame. Tard, tard. La lettre D est muette. Tard. Sept, madame. Yasmine, tu lis les deux autres phrases. Amélie aime la campagne. Amélie n'aime pas la campagne. Qu'est-ce que tu préparais? Ma réponse que justifie, c'est Amélie aime la campagne. Dans le texte, la phrase numéro. La ligne numéro. 3. Hein? Amélie aime beaucoup la campagne et les animaux de la ferme. Très bien. Allez-y, vous travaillez l'exercice suivant. Je complète les mots par R, O et D. Allez-y. R et O et D. Oui. D'accord. J'ai terminé. Vous faites petit A et petit B. Donc, je complète les phrases avec des mots de l'exercice A. Vous faites cet exercice. D'accord.
terminé, madame. D'accord. On corrige les enfants? On corrige? Oui. Aya Yosser, tu commences. Oui. Premier mot. Oui, madame. Domino. Oui, par quoi je vais compléter? D. Très bien, donc je complète par D. Deuxième mot. Ryan. Deuxième mot. Ryan. Tortue. Très bien. Donc, je complète par... Par R. Oui. Anas. D'accord. Dîner, dîner. Anas, ماكش تابع، ماكش تابع، مانيش غاديين. Tu suis Anas, le mot. Head. Robot. Oh oh. Oh oh. Complète par oh. Toujours. Oui. Et Yasmine? Oui, madame. Hein? Yasmine, tu réponds? Oui, madame. Dîner. Dîner. Par quoi je complète? D. Donc, je complète par D. Aïe, aïe, sœur, tu commences l'exercice suivant. D'accord. Patrice achète un joli robot pour Nadine. Je complète les phrases avec des mots de l'exercice A. Tu lis la phrase. Hein? Je complète les phrases avec des mots. Le existe à oui domino tortue robot dîner hein dîner Patrice achète un joli robot pour Nadine. Très bien, donc robot. Ryan, deuxième mot. Il y a une petite tortue dans la cour. Ryan, le cas même t'es à Aïchik. Oui. Il y a une petite tortue dans la cour. Très bien, tortue. Anas. D'accord. Je veux du poulet pour le. Je veux du poulet pour le dîner. Très bien, donc pour le dîner. Allez-y, vous faites l'exercice 2. Je regarde le dessin et j'écris une phrase. Thank you.
J'ai terminé. On corrige? Oui. Oui. Est-ce que tu n'as pas encore terminé? J'ai terminé. Rayen, tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Ah, chacun va donner sa phrase. Moi, Yasmine, je peux commencer, madame? Non, non, ce n'est pas Yasmine qui va commencer. Alors, Rayen, tu commences? Oui. Je t'écoute. Ah, Amélie ramasse des œufs. Oui, je sors ta phrase. Amélie ramasse des œufs. Yasmine. Amélie ramasse des œufs. Les œufs des poules. Non, enlève des poules. Hein. Anas. Amélie ramasse les œufs. Donc, très bien. Donc, voilà la phrase. Donc, Amélie ramasse des œufs. Moi, je l'ai trouvé dans le test, madame. Moi, je l'ai trouvé dans le test. Oui, je sais, dans le texte, il y a. Voilà la phrase. Donc, point, n'oubliez pas le point. Point. Alors, on passe à la page suivante. Maintenant, c'est quels sont? Ou. Oui? Ou. C'est le son. Ou. Ou. C'est le son. Ou. Ou. Alors, je mets une croix sous le dessin quand j'entends le son ou. Alors, premier mot, poupée. 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 Deuxième mot, armoire. 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 Troisième mot, foulard, foulard, foulard. Et quatrième mot, mouton, mouton, mouton. J'ai terminé, madame. Terminé, madame. Donc, mettez le stylo dans l'espace si vous avez terminé. Anas, tu commences. D'accord. Le mot popé, j'entends. Répète le mot. Répète le mot. Donc, je cache. Répète le mot. Poupée. Voilà. Donc, j'entends. Poupée. J'entends le son ou. J'entends le coche. Où je mets une croix.
Mot suivant, Anas, Rayen. Armoire. 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 Non. Je n'entends pas le son ou. Répète. Non, je ne. Je n'entends pas. Je n'entends pas O. Oh. Non, c'est pas O, oh, Rodbelek. Le son ou. Ou. Yasmine. Oui, madame. Dans, j'entends le son O dans le mot foulard. Oui, donc je mets. Je mets une croix. Yes, sir. Mouton. J'entends le son O. Je mets une croix. Très bien. Alors, vous faites maintenant l'exercice 2 et 3. J'entoure O dans les mots. J'écris ou et la syllabe roux. Allez-y. Terminé, madame. Allez-y, vous avez terminé? Mon maîtresse. Oui. Oui. Vous avez écrit où et où? Non. Comment? Oui. Vous écrivez, oui. Elaya ou Anas? Mais moi, j'écris. Tu as écrit? Oui. Nous écrivons. Allez-y, Anas, tu commences l'exercice 2. D'accord. Le premier mot, c'est rouge. Lis la consigne. Je lis et j'entoure ou dans les mots. Tu lis la phrase. Dans le mot rouge. Tu lis la phrase. Grand-père a une voiture rouge.
rouge. Uh-huh. Le mot rouge, je lis le son. J'entoure, j'entoure. J'entoure où dans le mot rouge? Deuxième phrase. J'entoure. Non, c'est pas j'entoure. Un astuce. D'accord, maîtresse. Dans la cour. Tu lis la phrase. Tu lis la phrase. Dans la cour, le mot cour. Yayos, tu ne réponds pas. Tu lis la phrase. Dans la cour de ferme. De la ferme. De la ferme. Hein? La cour. Le donc, mot j'entoure cour. Où dans la dans le mot cour. Yasmine. Il y a des moutons et des poules. J'entends. J'entoure où dans le mot mouton et j'entoure où dans le mot poulet. Poule. Poule. Alors, vous écrivez où et où? Vous avez écrit? Oui. Alors, montrez-moi votre travail. Oui, Yosser. Yasmine, montre-moi. C'est un peu flou. Anas? Je ne vois pas, Anas. On passe à l'exercice suivant. Je regarde les dessins et je complète les mots. Terminé, madame. Exercice 4. Madame, on a tous terminé, madame. Vous avez terminé? Non, Yosser, elle travaille encore, Yasmine. Madame, c'est terminé, madame. C'est pas la peine de me le dire, je suis en train de vérifier. Donc, Yosser, elle travaille encore. J'ai terminé. Ah, Yosser, tu commences le premier mot. D'accord. Des joues. Est-ce qu'on a on lit des joues, Yayosser? Des joues. Donc, qu'est-ce que par quoi je vais compléter? Où? Très bien. Donc, je complète par où? Rien. Une poupée.
une poupée. Oui, par quoi je complète? Donc, je complète par où? Yasmine? Et pour O. Donc, je complète par où? Allez-y, vous corrigez. Vous avez terminé? Alors, oui. Passez à la page suivante. C'est la lettre T. Très bien, c'est la lettre T. Alors, je mets une croix sous le dessin quand j'entends T. Premier mot, carotte. Carotte, carotte. Deuxième mot, dindon, dindon. Dindon. Troisième mot. Tomate. 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 Et dernier mot. Table, table, table. Anas, tu commences la correction. Carotte, on entend le son T. Le son T. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coche. Très bien. Ryan, mot suivant. Dindon. Dindon. Oui? Non. Donc, je n'entends pas. Je n'entends pas. Le son T. Le son T. Donc, je ne coche pas. Ou bien je ne mets pas une croix. Yasmine? Une tomate. Oui? J'entends le son T. Donc je mets une croix. Yosef? Table. J'entends le son T. Je mets une croix. Très bien, allez-y, je lis et j'entoure T dans les mots, j'écris T et trou. La famille.
et Chantal font un gâteau pour les enfants. Maîtresse? Oui. Parfois, on voit le thé, mais on lit pas thé, on ne prononce pas. Oui, elle est muette, oui, parfois elle est muette. Comme des enfants. Oui, très bien. Des parents? Mais ici, je lis et j'entoure T dans les mots. Donc, où vous voyez T, vous entourez ici. Oui, madame. Je l'ai fait. Terminé. Allez-y, vous avez terminé? Oui. Ah, Esmine, tu commences? D'accord. Je lis et j'entoure T dans les mots. Tu lis la phrase tout d'abord, hein? Oui, madame, je sais. À la campagne, toute la famille dort tôt et se la lève tôt. Tôt. Il y a deux T, donc j'entoure deux T dans tôt. Quel mot, Yasmine? Quel est le premier mot? Toutes. Donc, toutes, j'entoure T. De T. Deuxième mot, Yasser. La famille dort tôt. Tôt. Et se lève tôt. Mm-hmm. Dort tôt. J'entoure. يا ماهيش لاصقه بعضها راهي دورتو يا يسرى اعطيني بالمو دونك دور جو فوا تي انس دور جو فوا دو تي دونك جونتور لي دو تي ريان Oui, maîtresse. Ah, et tu réponds. Né, Rayen, né. To. Oui. On a oublié. Tour, tour, T. Yasmine, deuxième phrase. Et se lève, et. Grand-mère et Chantal font un gâteau pour les enfants. Oui. Et. Au suivant. Chantal T. Anas. Anas. D'accord. Fin, j'entoure T. Mais, maîtresse. Oui. Quand moi je lis T,
Ici, il y a des mots quand je lis pâté. Mana qulniha ya Anas, la lettre T est muette. Je vois mais je n'entends pas. Mana qulniha qbil. Oui, Yasser. Mais dans le consigne, il y a dans la consigne, j'en courte, j'ai écrit la consigne. J'ai dit dans la consigne où vous voyez T, vous entourez. Et j'ai expliqué. Yes. Un gâteau pour les enfants. Mm-hmm. Gâteau. Très bien. J'entoure thé. Mm-hmm. Ryan. Enfant. Mm-hmm. Enfant. Oui, qu'est-ce que j'entoure? J'entoure le thé. Donc, j'entoure thé. Maintenant, vous écrivez thé et vous écrivez trou. Oui. Alas. Anas, fais attention à ton écriture. Il faut suivre les normes. Moi, je suis les carrés. Les carreaux. Non, il faut avoir... Terminé, madame. Dis-moi, tu dois imprimer tes feuilles, là, Anas, avant de commencer la leçon. Oui. Alors, on passe à l'exercice 4. Allez-y, vous travaillez l'exercice 4. Oui, madame. Je regarde les dessins et je complète les mots. Allez-y, vous travaillez. Vous avez terminé? Oui, madame. Oui, madame. Allez, Yosef, tu commences. Une tomate. Donc, par quoi je complète? T. Par la lettre T. Yasmine? Oui, madame. Une table. Je complète avec la lettre T. Yes, Anas. Tu de la confiture avec la lettre T. Je complète avec. Je complète avec la lettre T. Maîtresse, qu'est-ce que c'est de la confiture? Qu'est-ce que c'est? Majoun, majoun. Mourab. Mourab. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Du pain avec de la confiture et du beurre. Non, je mange du grain d'œuf.
Oui, chacun donc prend ce qu'il veut, mais généralement, la confiture, c'est le matin. Allez-y, vous faites l'exercice suivant. Terre d'eau, le livre de lecture. À la page. Antcom. Juste, je vais voir la page. Alors, le livre de lecture. À la page 80. Attends. 82. Mina of Many. Vous lisez le texte, allez-y. Mina of Many. Oui. À la campagne. Oui. Alors, qui lit le texte? Moi, Yasmine, s'il te plaît. Ah, Yosser, tu commences? À la campagne, grand-père donne à Nadine un petit lapin. Et très, très contente, Nadine va se promener avec son petit lapin dans les bras. Nadine regarde les fermiers qui cueillent des pommes. Bonjour monsieur, dit Nadine. Bonjour Nadine. Tu veux une pomme? Tu veux une pomme? Oui. Nadine prend la pomme et dit merci au monsieur. Au fermier. Au fermier. Vous allez colorier la bonne réponse. Le fermier donne la pomme, Nadine dit merci. Ou bien, Nadine prend la pomme, le fermier dit merci. Selon le texte. Maîtresse. Oui. Moi, je vais quitter parce que moi, j'ai d'arabe deuxième année. D'accord, Anna, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, vous coloriez la bonne réponse. J'ai colorié le... J'ai colorié. Yasmine, qu'est-ce que j'ai dit quand tu termines? C'est pas la peine de dire j'ai terminé. Il y a des élèves qui travaillent. Vous levez le stylo si vous avez terminé. Madame? Oui.
On a tous terminé. Ah, Yosser, tu commences? D'accord. Je colorie les phrases de réponse. Hmm? Le fermier donne la pomme. Oui. Je colorie le fermier donne la pomme. Oui. Et je colorie Nadine dit merci. Hein? Et Nadine prend la pomme. Est-ce que tu es d'accord, Yasmine? Oui, madame. Donc, vous coloriez cette phrase. Vous coloriez cette phrase et vous coloriez cette phrase. Allez-y, vous faites l'exercice 1. Je complète par R O D T. Donc, hné, Anna, fait texte, hné, les comptes taqraoufi, Anna. Contente. Donc, vous écrivez sur vos cahiers de français. Triste. Oh, madame. Triste. Donc, vous écrivez sur vos cahiers de français. Le contraire de triste. Content. Le contraire de triste. Content. Content pour le masculin et contente pour le féminin. Donc, triste, le contraire de triste, c'est content. Voilà ce que vous allez écrire. Triste. Triste. Vous avez terminé? Oui. 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 Aussi, vous notez à la maison, vous allez écrire les pages 83, 84 et 85. 83. Vous allez écrire sur vos cahiers page 83. Page 84 et page 85. Donc, les phrases et d'où quel livre? Livre de lecture, Yasmine. Livre de lecture. Smana Walle. Oui. Donc, vous allez écrire toutes les phrases. Oui, madame. OK. Livre. Madame. Alors, on revient à l'exercice. 1 minute, madame. Hein? 1 minute. J'ai terminé. Allez-y, on revient. J'ai pas autre. Terminé, madame. J'ai terminé.
Allez-y. On revient au cahier d'activité. Vous faites l'exercice 1. Exercice 1. Madame, oui, dans le deuxième mot, il n'y a pas OU. Chnoa, dans le deuxième mot, PLE, j'ai besoin de OU, mais il n'y a pas, madame. Ah, d'accord. نحيو ال D هنا نحيو D وحطو U. هما غالطين في الكتاب. Corrige, madame. Oui. Vous avez terminé? Oui. Allez, Youssef, tu commences. Premier mot, par quoi je vais compléter? Tortue. Très bien. Donc, tortue. Deuxième mot. Moi, Yasmine. Poule. O-U. O-U. O. Poule. Troisième mot. Yos. Les rues. Hein? Les rues. C'est faux. C'est moi, quoi le troisième mot? J'ai écrit Léo. Non! Laitue, laitue. Laitue. Avec le thé. Oui. Je peux faire la dernière? Oui. Rouge. Rouge. Voilà les mots, vous corrigez. On a corrigé, madame. Tout on a écrit. Vrai. On dit juste, mais c'est vrai. Alors, je complète la phrase avec des mots de l'exercice A. Donc, la phrase, il y a... Donc, Amélie donne une à la
Anne, vous terminez la première phrase. D'accord. J'ai terminé. J'ai terminé. On corrige? Oui, madame. Docteur, tu commences? Amélie donne une laitue à la tortue. Très bien. Donc, Amélie donne une laitue à la tortue. Madame, je peux faire la deuxième phrase? Oui. Vous avez terminé la deuxième phrase? Oui, Amélie. Yes, sir. Tu as terminé la deuxième phrase? Oui. Alors, tu corriges, Yasmine. Amélie jette des graines à la grains. Des grains au poule. À la poule. Yasmine. À la poule. Donc, Amélie jette des grains à la poule. Poule, voilà la phrase. Point. Vous faites l'exercice 2. Je regarde le dessin et j'écris une phrase. J'ai terminé. Yusuf, tu as terminé? Non. J'ai terminé. On corrige.
Rah ta phrase, Yasmine. Il donne au lapin une laitue. Oui, yes sir. Il donne une laitue au lapin. En colouche, regardez le crâne, le lapin, au lapin. Donc la phrase est. Amélie donne au lapin une laitue. Donne une laitue au lapin. Voilà la phrase. On a écrit. Noa, qu'est-ce qu'il y a? Madame, je n'ai pas fait une seule faute. Très bien. Non, n'oubliez pas d'écrire les pages que vous avez demandé de faire. Hein? Oui, madame, je vais le faire. On va lire les phrases la prochaine fois. D'accord. Et je vous ai envoyé donc une feuille à travailler, à faire. D'accord, je vais l'écrire aussi. J'ai envoyé aussi les notes. Madame, je sais pas où, madame. Je sais pas. Anna, j'ai envoyé. Il faut voir avec. Maîtresse. Oui. La bastiche. D'accord. Est... La bastiche, elle est là. قد جبت في الاختبار بعثتهم لي نوت الكل بعثتهم يا يسر والله ما دام ما وصلنا ما بنسيش كلهم ندوا انا نجم نقول لكم كونش لوغال خاطر